J'avais véritablement besoin d'être en relation directe en fait avec la population et de saisir un petit peu toutes les mémoires. Et c'est vrai que dans les mémoires à saisir, ce qui revenait souvent, c'était « nous sommes des hommes de cette terre, nous avons tous touché à la terre ». Et donc, à ce moment-là, je me suis dit qu'il était absolument nécessaire que je réalise un travail avec cette terre-là et que je laisse monter un peu les sèves de l'histoire. Son approche, elle est d'abord pensée, réfléchie par rapport à l'histoire de Valoris. Donc cette histoire de canne, de transmission, c'était intéressant aussi pour moi, finalement, d'amener mon expérience par rapport à Valoris. On a travaillé avec pas mal de manganèse et de superposition qui sont des matières à effet, comme des blancs qui vont réagir comme du Vésuve ou qui vont saturer et s'ouvrir un petit peu comme des cratères. Donc voilà, on a essayé de jouer un petit peu sur une unité de couleurs tout en essayant de rester dans ces couleurs valoriennes que j'ai récupérées moi dans ces fonds d'atelier. J'aime infiniment toutes ces couleurs que nous offre la nature, toutes ces couleurs que nous donne le feu aussi, parce que le feu, c'est à la fois le sang, c'est le sang de la terre. Et je voulais retrouver cet esprit du feu aussi dans ses œuvres. L'artiste voulait mettre en évidence la nécessité d'une transmission des savoirs, des savoir-faire, de l'histoire, car elle constate au quotidien une certaine déperdition de ces savoirs et des modes de transmission qui génèrent une perte de repères et un délitement de la société. C'est vrai que dans le dispositif, c'était important pour moi d'être dans le prolongement de la chapelle de Picasso et donc d'amener une perspective vers le fond de la chapelle. Et en même temps que j'emmène cette perspective, je crée une élévation, en fait. Ces nœuds apparaître, qui sont les nœuds du dispositif, eh bien on décide de les garder, parce que ça participe vraiment, véritablement d'une fluidité, d'une lecture dans l'œuvre à part entière.